Bonjour à tous, comme convenu, je vous présente donc ma sixième vidéo. Donc pour le premier couple, on peut remarquer qu'on a toujours trois œufs, quatre normalement, mais il y a eu une perte. Et quand on regarde celui qui est le plus au fond là-bas, j'essaie de le pointer avec mon doigt, celui qui est là-bas au fond, il est un peu plus bleuté. Donc en fait c'est le dernier œuf qui a été pondu et qui sera normalement le dernier. Donc on en a trois, on aurait dû en avoir quatre puisqu'il y en a un qui a été cassé. Et je pense qu'à partir de à partir d'aujourd'hui, la femelle va couver 24 sur 24. Donc on peut compter 13-14 jours à partir d'aujourd'hui pour l'éclosion du premier œuf. Voilà pour ce premier couple. Pour le deuxième couple, donc on n'en a toujours que deux œufs. Donc sachant que le premier aussi a été jeté par un mâle un peu trop excité, je pense que ce sera le dernier, à moins que parfois on sait que les canaris font un œuf un jour sur deux. Mais comme elle a fait les trois œufs chaque jour, je pense que ça va s'arrêter à deux pour ce couple-là. Et certainement qu'elle va, pareil que le premier couple, couver à partir d'aujourd'hui. Pour le dernier couple, celui qui me suscitait un peu, comment dirais-je, de crainte. Donc on va regarder. Là, j'ai vu que la femelle était sur son nid. On va essayer de la déplacer sans trop faire de stress. Je vais essayer de la bouger. Et qu'est-ce qu'on... Waouh, super. Voilà, premier œuf. Donc c'est parti pour la ponte pour celle-ci, un peu plus tardif que les deux premières, mais j'ai confiance car, comme je vous l'ai dit la vidéo dernière, c'est ma meilleure mère celle-ci. Donc voilà, on est content. Je vais placer les cages sur le balcon parce qu'une belle journée s'annonce. Les mâles sont chauds, ils commencent déjà à chanter. On va attendre un peu parce qu'il est que 7h30 du matin. Et on va les mettre au soleil pour qu'ils puissent faire de la vitamine D toute la journée. Voilà, comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos j'aime et vos astuces si vous en avez. Je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.